Ce que je vais faire, c'est euh, histoire de combler les 2-3 minutes pour euh, faire venir un petit peu de monde, le temps que le monde arrive. Euh, je vais introduire rapidement euh, qui on est et qui je suis et ce qu'on fait. Voilà, donc nous sommes Coprime, une société de, de conseils euh, pour tout ce qui euh, gravite autour de la gouvernance projet, donc gestion de projet, gestion de portefeuille de projet, euh, les outils, euh, les démarches, les méthodologies, les process et les organisations qui vont avec puisque euh, à chaque fois qu'on commence à mettre un, le doigt dans l'engrenage de la gestion de projet, tout ces toutes ces thématiques euh, reviennent, et c'est normal d'ailleurs. Euh, et puis, euh, on a également une, une partie euh, transformation euh, managériale, puisque euh, au-delà des outils, des process, des démarches, euh, de tout ce qui euh, est un petit peu intangible, euh, on a l'humain. Euh, et donc ça, on ne s'en exonère pas, et sans adhésion de l'humain... Euh, vous aurez beau mettre en place tous les outils de la Terre, toutes les méthodes de la Terre, il euh, n'y aura rien qui fonctionnera euh, correctement. Donc nous, on est vraiment là pour essayer de faire cohabiter les deux. Euh, et quand on dit essayer, on y arrive. Voilà, en parallèle, on a également une BU euh, technique, puisque sur euh, la plupart des, des outils sur lesquels on est amené à, à travailler, euh, le standard des éditeurs ne répond pas forcément, euh, on va dire, à toutes les, les contraintes des organisations. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette BU technique qui vient euh, adapter le standard éditeur avec les besoins euh, spécifiques des, des organisations des entreprises. Voilà, pour ma part. Je m'appelle Denis Usan, je suis donc un consultant et associé de, de Coprime. Ça fait maintenant pratiquement 15 ans que, que je travaille pour Coprime. Euh, preuve que j'y suis attaché, hein, puisque jusqu'à présent, enfin avant Coprime, j'ai pas mal bougé. Euh, donc là, j'avais plutôt trouvé ma place. Euh, je suis responsable moi, de la BU Conseil. Donc c'est pour ça qu'on va aborder la thématique de, de la gestion de portfolio. Euh, voilà, je donne des cours également en fac. Pour euh, des jeunes étudiants qui euh, ont besoin de découvrir un petit peu les, les tenants aboutissants de la gestion de projet. Euh, et je suis donc ravi de vous accueillir pour euh, vous présenter euh, cette thématique Comment améliorer votre efficacité, à savoir les clés d'une gestion de portefeuille performante. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le, le vif du sujet, je ne vais pas aborder des points qui sont révolutionnaires en soi. Euh, je suis plutôt euh, pragmatique et on va rester dans le pragmatisme. Euh, ce qui caractérise la gestion de portefeuille de projet, c'est que c'est avant tout une discipline qui tend à prendre les bonnes décisions. En tout cas, à permettre de prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas un outil sur lequel on va... Une discipline plutôt, sur lequel on va essayer d'intégrer de la donnée. On va s'appuyer sur de la donnée préexistante et on va essayer de travailler à partir de cette donnée pour émettre derrière des propositions, euh, faire des analyses et justement permettre euh, d'arbitrer, donc d'apporter de l'aide à la prise de décision et de permettre de faire des arbitrages. Donc on va voir comment tout ça peut se, se mettre en place de manière la plus simplifiée possible euh, et on va essayer aussi d'exclure... Tous les cas qui, quelque part, polluent un petit peu cette gestion de portefeuille et qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est en place, mais on n'en tire pas le, le bénéfice attendu. Voilà. Et puis, on en fera une petite conclusion euh, orientée sur l'IA, puisqu'on verra que c'est le thème du moment et qu'il y a peut-être des choses à en attendre. Euh, et la gestion de, de portefeuille n'est pas exclue de, de cette thématique. Donc, au niveau des. Des sujets qu'on va aborder, bah déjà on va reparler un petit peu du basique, qu'est-ce que la gestion de portefeuille de projet, histoire d'être tous un petit peu au même niveau. Euh, on va ensuite évoquer les différents usages. Donc encore une fois, on est plutôt sur un rappel, mais je pense que c'est important, puisque très souvent on a une mauvaise perception, ou en tout cas une perception parfois incomplète, de ce que comporte la gestion de projet, enfin le portefeuille de, de projet plutôt. Euh, et on va un peu plus rentrer dans le dur sur comment bien définir son portefeuille euh, quelles sont les préconisations voire les points d'attention sur lesquels il faut être euh, vigilant ou sur le, lesquels il faut être prévenant euh, et on conclura avec cette partie IA euh, histoire de se projeter un petit peu et euh, de fantasmer voilà alors qu'est-ce que la gestion de projet euh, bah, déjà la première chose à bien retenir c'est qu'on distingue bien euh, la gestion de de projet, pardon, de la gestion de portefeuille de projet. Euh, et la gestion de projet, elle, elle cible davantage le comment bien faire un projet. Donc on est vraiment dans de l'opérationnel. Euh, donc vous, avez, vous allez avoir derrière votre chef de projet qui va avoir son planning, qui va gérer ses risques, qui va staffer ses ressources, euh, qui va euh, instancier, euh, enfin, gérer les différentes instances de prise de décision de suivi. Euh, donc on est vraiment dans l'opérationnel. L'objectif du projet étant. Euh, Enfin, de la gestion de projet étant d'atteindre euh, le livrable du projet euh, autant que possible. Et la gestion de portefeuille de projet, elle, sa cible, c'est de savoir faire les bons projets. On est vraiment dans le décisionnel. Hein, Ce n'est pas vraiment la même exploitation, euh, ni le même sujet, même si on vient euh, puiser les informations de la gestion de projet. Donc on est bien sur une partie analytique euh, et la finalité, c'est d'apporter de l'aide à la prise de décision. Donc, on, on va travailler sur, sur cette euh, discipline-là, sur ces terminologies-là, pour amener justement cette prise de décision à travers cette gestion de portefeuille. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu derrière la gestion de portefeuille de projet. Ensuite, il faut aussi challenger la terminologie. Quand on parle de euh, gestion de portefeuille de projet, euh, c'est assez restrictif. Euh, on Doit être capable aussi de se dire, bah oui, on va pas se cantonner qu'à faire des projets, euh, en tout cas à piloter des projets. On a éventuellement tout ce qui est en amont du projet, à savoir les demandes, les idées, les investissements, en tout cas tout ce qui potentiellement pourrait être amené à, euh, à devenir un projet. Donc tout ça est intégrable dans le, la gestion de portefeuille, puisque comme on est amené à prendre des décisions, les fameuses demandes, idées, et investissements bah, sont soumises à cette prise de décision. Est-ce qu'on va transformer une demande en projet, oui ou non Est-ce que euh, si on transforme une demande en projet, on a besoin d'interrompre un projet déjà en cours qui, lui, est moins pertinent Oui ou non Donc on a plusieurs questions qui se posent. On peut également intégrer euh, d'autres types d'activités qui sont des activités euh, récurrentes, donc on ne parlera pas forcément de projet, euh, mais vous avez des portefeuilles qui peuvent intégrer donc, euh, ce qu'on appelle de la maintenance, qu'elle soit évolutive, corrective, du support. Bref, tout un tas d'activités qui fait qu'à un moment donné, on sollicite nos collaborateurs euh, pour euh, apporter de la valeur à l'entreprise, ou à défaut de valeur, en tout cas, maintenir le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime souvent parler de gestion de portefeuille d'activités ou d'investissement de manière plus globale. Euh, dernier point aussi sur la gestion de portefeuille de projet, je l'avais légèrement introduit en préambule, hein. on ne doit pas confondre l'usage, on n'est pas dans un outil de BI. Hein, on n'est pas dans un, une exploitation de data lake euh, ou autre. Euh, la BI et le data lake sont complémentaires. La discipline de la gestion de portefeuille de projet, c'est bien d'aller puiser de la donnée là où on souhaite la puiser. Donc, encore une fois, on va, on va se poser les questions de savoir de quelles données on a besoin. Euh, et d'être en capacité, à travers de la consolidation, d'analyser, de projeter pour permettre euh, de l'aide à la prise de décision. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un outil de BI, ce n'est pas du tout fait pour ça. Euh, par contre, on peut être accompagné de ces outils-là pour produire quelque chose qui soit ensuite exploitable. Alors, au niveau des usages, on verra, on va voir, qu'on a plusieurs typologies d'usages au niveau de la gestion de portefeuille de projet. Et c'est un petit peu comme un millefeuille, c'est-à-dire que. Quand on va aborder le, le premier usage, on va voir qu'il va permettre de fournir et de délivrer le second, qui lui va aussi permettre de fournir le dernier. En gros, vous avez compris, euh, j'ai identifié ici trois usages majeurs. Euh, et au niveau de la, la réponse, enfin, de la question qu'on qu veut se poser, euh, c'est qu'est-ce que je souhaite piloter. Voilà. C'est pour ça que quand on constitue son portefeuille, euh, il est essentiel de savoir ce qu'on veut piloter. Ça ne doit pas être pour tout, ça ne doit pas être euh, ce que j'appelle un petit peu le, le, le vice du euh, qui peut le plus peut le moins. Euh, au contraire, hein, il faut déjà euh, savoir donner le périmètre euh, qu'on qu souhaite obtenir à travers cette gestion de portefeuille de projets. Et donc, qu'est-ce qu'on souhaite avant tout piloter. Donc au niveau des usages, on va avoir trois usages majeurs. Encore une fois, ils s'empilent ils les uns les autres. Euh, le premier usage, il est assez basique finalement, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Donc, tout bêtement, hein, on va collecter euh, les différents euh, investissements, les différents projets, etc., euh, qui, sont, euh, qui constituent en fait notre portefeuille, donc ce qu'on souhaite piloter. Et on va euh, obtenir par cette consolidation euh, une compilation d'indicateurs de suivi. Voilà. Donc, on va avoir la visibilité par exemple sur l'ensemble des budgets cumulés euh, des investissements au sein du portefeuille on va avoir euh, l'ensemble des coûts à date pour peu que ça fasse partie des infos qui remontent hein, au sein du portefeuille on va avoir euh, peut-être aussi euh, le tri euh, des euh, risques des dix risques majeurs sur l'ensemble des investissements du portefeuille bref c'est par la consolidation en, en premier temps qu'on va obtenir les premiers indicateurs pour autant cette consolidation elle ne permet pas de faire du suivi elle ne permet pas de faire enfin pas du suivi pardon euh, de, de l'analytique euh, elle ne permet pas de se projeter tant qu'on n'a pas passé le stade supérieur le stade supérieur donc lui consiste à établir de la simulation voilà. donc en gros on va essayer de projeter à plus ou moins long terme différents scénarios qui sont contextuels euh, et où on va euh, délivrer derrière différents atterrissages euh, au niveau du portefeuille donc, tout ça, ça peut se piloter à travers divers axes. Donc, vous avez ici, pêle-mêle, hein, euh, les axes de type délivrerie, le ratio budget-coût, la capacité des ressources. Euh, mais vous avez aussi tout simplement ce qu'on appelle l'alignement stratégique, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui, à date, mon organisation, elle a pour cible, on va prendre un, un cas un petit peu au hasard, euh, d'augmenter sa productivité. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, d'ici six mois, l'enjeu soit différent, la stratégie soit différente. Peut-être qu'on ne sera plus dans le sujet d'augmenter sa productivité, mais plutôt d'investir dans de la RD. Euh, ou peut-être de faire, je ne sais pas moi, de, de la croissance euh, euh, externe. Donc selon l'articulation la, qu'on veut donner par rapport à une stratégie du moment qui est contextuelle, on peut avoir différents scénarios prospectifs au sein du, du portefeuille. Et c'est ça qu'on va chercher à simuler euh, dans la gestion de portefeuille de projet. Euh, le dernier point, c'est donc la partie arbitrage. Alors, au niveau de la partie arbitrage, en fait, cette simulation, elle va apporter de la valeur aux personnes décisionnaires. Donc, on va avoir cette consolidation associée à de la simulation et on va présenter tout ça en argumentant, évidemment, il ne faut pas se cantonner uniquement aux chiffres. Euh, aux instances décisionnaires pour les accompagner pour les aider euh, à prendre des décisions et à arbitrer voilà. et une fois qu'on a obtenu cet arbitrage la dernière étape que j'ai pas indiquée ici mais qui est essentielle aussi c'est comment je fais redescendre l'information c'est-à-dire que l'arbitrage se fait sur une instance donnée d'un point de vue opérationnel il va falloir redescendre l'information pour qu'on applique les points d'arbitrage donc voilà quels sont les usages qu'on va retrouver au niveau de la gestion de portefeuille de projet, usage majeur évidemment, et qui permettent d'adresser le sujet sans trop s'en mêler les pinceaux. Voilà. Mais c'est pour bien situer le contexte, pour bien situer la capacité de la discipline à aller au-delà de l'aspect consolidation. On va bien dans de la projection avec de la simulation et dans de l'aide à la prise de décision. Alors, comment bien définir son portefeuille? Parce que tout ça, c'est bien beau, euh, mais il va bien falloir commencer par quelque chose. Alors, il y a plein de façons de faire. Euh, J'ai envie de dire, euh, comme je dis à mes, à mes étudiants, au niveau des méthodologies projet, vous avez autant de méthodologies que vous avez d'individus. Euh, mais c'est pour ça qu'on met parfois des, des conventions de manière à tous convenir d'une méthodologie à partager. Donc là, je vous en partage une à ma façon, en tout cas. Euh, mais c'est plutôt des questions à se poser et savoir Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces questions euh, Donc la première chose, c'est quels sont mes axes ou mes périmètres de consolidation souhaités, c'est-à-dire à travers euh, mon portefeuille, euh, comment je veux euh, obtenir de l'analyse. Donc par quel axe, par quels axes, par quels périmètres je vais absorber mes investissements Est-ce que je vais absorber mes investissements parce que je fais un pilotage au niveau opérationnel de mon organisation est-ce que c'est plutôt parce que j'ai un, un pilotage ou une, une consolidation qui demande de, de, de réunir les investissements selon des entités juridiques Est-ce qu'on est plutôt sur un axe géographique Parfois, on peut même cumuler les différents périmètres. Euh, vous avez aussi des, des portefeuilles qui sont pilotés euh, au niveau contrôle de gestion par des cost centers, des centres de coûts. Voilà. Euh, donc, encore une fois, il faut bien savoir quels sont vos axes de consolidation. On va dire que très souvent, euh, les axes de consolidation euh, qu'on retrouve régulièrement, hein, ça va être au niveau de l'organisation opérationnelle. Donc j'ai le portefeuille de tel département euh, ou de telle équipe. Voilà, ça, ça reste assez opérationnel. Vous avez des portefeuilles qui sont aussi par euh, nature, on va dire, d'orientation stratégique. Voilà. On va... On a différents axes possibles, mais la première chose à se poser comme question, c'est sur quel axe on veut partir. Donc, tout ça, ça va aussi dépendre de votre rôle euh, en tant que gestionnaire de portefeuille. Hein. Euh, tout dépend aussi à quel niveau vous êtes, vous, en tant qu'exploitant de ce, ce portefeuille, et donc de la, de la production à fournir. La deuxième euh, question à se poser, c'est ce que je disais à un moment donné, quelles sont les natures d'investissement qu'on souhaite piloter est-ce qu'on veut simplement se cantonner à du projet donc Dans ce cas-là, on va suivre, j'ai envie de dire, des, euh, des paramètres assez opérationnels et, euh, et avec de la donnée euh, qui va remonter régulièrement. Hein. Donc ça va être euh, les délivreries, euh, mesurer l'avancement des délivreries euh, par rapport à un engagement donné, et puis à date, est-ce qu'on est en dérive ou pas euh, Ça peut être euh, le ratio budget coût, ça peut être aussi euh, la capacité des ressources. Euh, voilà. Donc, on peut très bien se cantonner à la partie projet, mais si on veut aller plus loin, euh, il est quand même préconisé d'intégrer à minima tout ce qui euh, s'appelle demande et idées, puisque ce sont des investissements potentiels qu'on souhaiterait transformer à un moment donné, et par la partie simulation de l'usage de la gestion de portefeuille de projet. Euh, on va être en capacité de dire, voilà, sur le scénario 1, ben, si j'intègre ces deux demandes-là, voilà l'atterrissage que ça pourrait donner. Et voilà l'intérêt de ces deux demandes par rapport à ma stratégie du moment. Euh, à l'inverse, euh, l'intégration de ces deux demandes, elles vont avoir pour impact, puisque euh, ma capacité à faire n'aura pas changé, euh, de devoir remettre en cause un projet déjà en cours. Donc la question, c'est lequel Et là aussi, euh, le, le, le portefeuille de projet doit, permettre, doit vous permettre d'identifier le projet le plus susceptible d'être mis de côté. Donc ça paraît assez trivial, hein, euh, mais c'est euh, vraiment une des valeurs de, de la gestion de portefeuille de projet, c'est d'avoir des données exploitables basé sur de l'opérationnel aussi mais pas que mais euh, essentiellement opérationnel et par rapport à une directive donnée à une stratégie donnée de proposer donc ces fameuses simulations ces fameux scénarios avec des atterrissages différents et de voir euh, si ça peut aider les, les personnes en charge de, de prendre des décisions euh, bah, d'orienter la décision Alors, on a d'autres questions hein, qui vont se poser une fois qu'on a défini le périmètre, une fois qu'on a défini le contenu. Euh, bah, c'est quels indicateurs je souhaite piloter Alors là encore, hein, on a toute une batterie d'indicateurs euh, l'avancement ou l'état des investissements, la capacité budgétaire, la capacité des ressources. Des indicateurs, on peut en produire en fait euh, à foison ce n'est pas tant ça la, la problématique c'est vraiment d'être en capacité de bien les sélectionner. Vous avez une démarche que j'ai un peu de... avec laquelle j'ai un petit peu de mal moi à fonctionner, c'est de dire bah je vais décider de mes indicateurs une fois que j'aurai collecté toutes les infos et que je verrai un peu à quoi ça ressemble. Alors le vice de ce de cette démarche-là, c'est que vous allez vous retrouver avec tellement d'infos, vous allez pas forcément savoir tout de suite vers où vous orienter. Et donc, vous allez avoir beaucoup trop d'indicateurs euh, avec trop d'achoppement entre les, les différents indicateurs et ça va venir pénaliser votre aide à la prise de décision. Ça va venir pénaliser la partie simulation. Il vaut mieux se cantonner à aller, on va dire, entre 3 et, euh, et 8 indicateurs selon les cas de figure. Euh, déjà, c'est pas mal, hein, 8. Euh, pour permettre justement de, de mieux avancer dans son, dans son pilotage, dans la production de, de la gestion de portefeuille de projet et surtout dans l'objectif qu'on s'est donné à la base. Donc attention à la partie indicateur, elle est critique, elle est majeure et elle est essentielle si on veut faire de l'analyse et du suivi, euh, mais à trop en avoir, euh, ben on risque de se polluer les, euh, le, le portefeuille et de ne plus savoir finalement euh, sur quel indicateur s'appuyer. Alors, le... je reviendrai après sur un autre sujet qui est la priorisation. Je crois que j'en parle un peu après. Mais ça aussi, ça pourrait être intéressant d'en parler pour sélectionner ces indicateurs. Le quatrième point, ou la quatrième question à se poser, c'est une fois que je connais les indicateurs, en tout cas que j'ai établi les indicateurs qui vont m'aider à obtenir le résultat escompté, il faut que je challenge ces indicateurs. En gros, est-ce qu'aujourd'hui, mon organisation dispose des éléments qui vont me permettre de les produire Parce que c'est bien beau de vouloir, par exemple, mesurer la capacité des ressources euh, euh, au niveau d'un portefeuille. Euh, mais si au niveau opérationnel, au niveau des investissements qui vont euh, remonter euh, dans mon portefeuille, cette information ne transite pas ou euh, elle transite de manière inégale, euh, et ben quelque part, la qualité de votre, de votre portefeuille en sera impactée et donc votre analyse elle sera fausse. Euh, je vais citer déjà l'exemple par le passé et pas plus, pas plus tard que ce matin. Hein. Euh, il faut bien identifier là où vous puisez vos données et challenger la qualité de ces données euh, parce qu'à vouloir euh, puiser ces informations à différents endroits, eh ben on, peut, on peut plutôt amener à créer de l'intox dans son portefeuille plutôt que la vraie valeur ajoutée qui consiste à euh, apporter des données de qualité. Euh, donc si vous allez puiser vos, vos informations à différents endroits, challengez bien euh, ces puits d'informations pour être certain d'une, que vous allez pouvoir obtenir cette information sur tous les investissements que vous souhaitez consolider, et de deux, que le, le, le degré, la qualité de remplissage de cette information, de ces informations, elle est bien présente parce que des euh, outils avec des cases à remplir, euh, moi je peux vous en produire autant que vous voulez euh, mais si la case elle est jamais remplie ou si la case elle est remplie selon les cas de figure par euh, Toto d'une façon et par euh, Titi d'une autre façon et eh bien quelque part ça ne va pas arranger votre affaire euh, au niveau qualitatif, votre indicateur il sera forcément légèrement erroné voire complètement faux et donc vous allez vous poser beaucoup, beaucoup trop de questions à ce niveau là alors, justement, euh, les préconisations, les points d'attention pour éviter quelque part de, de trop se polluer le cerveau quand on est amené à mettre en place un portefeuille. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs préconisations qu'on pourrait se donner. Le premier, c'est de limiter le volume d'investissement qu'on souhaite intégrer dans son portefeuille. Alors, j'ai mis ici un seuil de 50 investissements maximum qui est recommandé. Clairement, 50, c'est déjà beaucoup en fait. Hein. Euh, voilà, on a plutôt tendance à piloter euh, des portefeuilles euh, qui vont, euh, qui, en tout cas, qui sont inférieurs à 50 investissements. Euh, aller au-delà, je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer un réel bénéfice. Euh, à, au contraire, on va plutôt créer de la complexité et ça ne va pas aider à, à l'arbitrage. Euh, donc, attention au nombre d'investissements qu'on souhaite intégrer dans son portefeuille. Euh, je pense qu'il faut même y aller crescendo, commencer avec peut-être une vingtaine ou une trentaine d'investissements pour se roder, pour roder son portefeuille. Et une fois qu'on est en maîtrise euh, de la démarche, de, de l'analytique et de la projection, euh, essayer peut-être d'en intégrer davantage pour tenter que ce soit pertinent, euh, mais ne pas se lancer corps et âme dans un portefeuille qui euh, reprend euh, un panel d'investissements euh, énorme. Euh, vous allez en tirer très très peu de valeur et plutôt de la confusion et votre production, elle, elle va prendre du temps à se mettre en, en place. Voilà. Euh, le deuxième point, c'est celui que j'ai voulu évoquer à un moment donné sur les, les critères, euh, enfin les indicateurs qu'on souhaite remonter. Euh, c'est si on veut aussi faire du tri parmi les indicateurs, au même titre qu'on doit faire du tri dans les investissements, euh, ça peut être intéressant d'établir des règles de scoring. C'est-à-dire que je peux avoir, mettons. Euh, six indicateurs différents euh, au sein de mon portefeuille. Une fois que j'analyse que ces six indicateurs, potentiellement, je peux être dans l'incapacité de prendre une décision entre deux investissements, parce que au niveau des indicateurs, l'un vaut l'autre, et ainsi de suite. A euh, contrario, si vous intégrez du scoring, si vous émettez en fait quelque part une règle de pondération, voire de priorisation, euh, et que vous arrivez à un même niveau d'indicateur pour deux investissements, euh, bah peut-être qu'en en pondérant, et en faisant la somme de cette pondération sur l'ensemble de vos indicateurs, vous allez faire émerger un investissement plus qu'un autre, alors qu'à la base, ils étaient à peu près équivalents. Donc, faut pas hésiter aussi, euh, sans remettre en cause les, les, les informations opérationnelles que vous allez remonter de votre indicateur, il ne faut jamais hésiter à pondérer ou en tout cas à établir un niveau de scoring, peut-être pour mettre plus en évidence un indicateur qu'un autre. Et vous allez voir que ça va euh, tout de suite démarquer en fait l'indicateur le, le, en question euh, pour vous permettre de mieux prendre la décision, en tout cas de scénariser euh, sur une base peut-être plus, plus pertinente. Et le dernier point, je l'ai déjà évoqué, mais c'est le fameux euh, trop d'infos tue l'info. Euh, donc, le vice absolu de la gestion de portefeuille de projet, c'est de vouloir, euh, avant même d'essayer de, de le constituer, de le penser, se dire, bah, je vais déjà capter toutes les infos qui sont à dispo et puis je vois après ce que j'en fais. Euh, ça, ça me donne une petite transition sur l'IA. Euh, on n'a pas euh, la capacité euh, euh, de traitement de la donnée aussi performante que, que l'intelligence artificielle. Hein. Donc elle, elle est en capacité, euh, via des processeurs, avec des grosses machines derrière et des algorithmes dans tous les sens, à prendre une multitude d'informations pour essayer d'en restituer quelque chose. Euh, nous on a cette intelligence, par contre on n'a peut-être pas la même capacité, euh, la même force que l'IA. Donc attention de ne pas vouloir aller sur un terrain glissant, à savoir mettre trop d'informations pour essayer d'en tirer quelque chose sans trop savoir où on veut aller. Voilà. On commence déjà par bien cibler là où on veut aller, et une fois qu'on a bien ciblé euh, cette orientation, on regarde quelles sont les informations pertinentes qui permettent de répondre à cet objectif-là. Alors, ça, c'est un retour d'expérience hein, qu'on qu a pu faire euh, au sein de Coprime mais à titre personnel. Hein, euh, des entités qui, à un moment donné, veulent rentrer dans la gestion de portefeuille de projet, qui ont des objectifs plus ou moins clairs, euh, et donc, du coup, ça démarre mal, on va dire, euh, et qui, au final, euh, se retrouvent à dire bah, j'aimerais pouvoir faire trois petits points, euh, mais pour remplir les trois petits points, j'aimerais plutôt que vous montriez toutes les informations qu'on qu peut collecter, et là, je pourrais vous donner une réponse. Alors là non, ce n'est pas la bonne démarche. Essayez d'abord de cadrer quel est votre objectif, quel est votre besoin, et après on va regarder quelles sont les informations disponibles qui vont vous permettre d'y répondre. Voilà. Et là, on va alléger euh, le, le, le portefeuille et on va être très pertinent au final, hein, parce que c'est vraiment le, la pertinence des informations qui va être la clé à un moment donné. Alors justement, parler de l'IA, de la capacité de l'IA à faire beaucoup, beaucoup de choses, euh, de par, euh, on va dire, son, sa force de traitement. Euh, en, dans quelle mesure l'IA et la gestion de portefeuille de projets pourraient cohabiter C'est un petit peu la question qui se pose, qu'on pourrait se poser. Euh, donc, il y a beaucoup de fantasmes à forte valeur ajoutée. Alors, j'ai appelé ça fantasme, hein, parce qu'aujourd'hui, en termes de, de réalité et de matérialité, au niveau de la gestion de portefeuille de projet... Il y a beaucoup de R&D, beaucoup d'investissements faits pour, on va dire, des productions qui sont encore à leur balbutiement. Mais en tout cas, on, on considère que puisqu'on a de la donnée à traiter, il n'y a aucune raison pour que l'IA ne, ne puisse pas apporter sa valeur ajoutée au niveau d'une gestion de portefeuille de projet. Et donc voilà, on pourrait très bien imaginer que l'IA puisse nous aider à apporter une consolidation automatisée, hein, c'est-à-dire l'étape 1 euh, de, des usages de la gestion de portefeuille de projet, et en intégrant également des contrôles d'anomalies et des alertes. Parce que consolider en soi, ce n'est pas forcément le plus compliqué, euh, mais à rapidement euh, mettre en évidence les points d'achoppement ou les alertes qui font qu'à un moment donné, il faut s'arrêter sur un investissement plus qu'un autre, ça l'IA, elle est susceptible de l'apporter. Euh, autre point qu'on pourrait attendre de l'IA, c'est une génération de scénarios prospectifs automatisés. Alors, euh, forcément, hein, quand on parle de génération on a, et d'IA, on attend l'automatisation. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est avec en point d'entrée des inputs contextuels. Euh, exemple, euh, la guerre en Ukraine. Est-ce que euh, la guerre en Ukraine pourrait euh, impacter mon business euh, parce que euh, peut-être pénurie euh, euh, d'une matière première euh, que je dois délivrer sur mon projet euh, ou sur certains de mes projets, et donc impact. Euh, Est-ce que euh, les élections présidentielles américaines et une bascule potentielle euh, d'un Biden vers un Trump pourraient également euh, avoir des impacts sur euh, le contenu de mes, mes portefeuilles de, de projets, de mon portefeuille de projets, ou d'investissement Alors là, je vous cite des... Euh, des éléments contextuels assez grossiers, euh, mais on pourrait très bien avoir des, euh, des éléments contextuels beaucoup plus euh, fins et spécialisés dans le domaine dans lequel on est. Et voilà le type d'exemple qu'on pourrait ou euh, de bénéfice dont on pourrait tirer parti de, de l'IA. Euh, le troisième élément que j'avais identifié, c'est euh, de pouvoir euh, demander à l'IA d'émettre des propositions argumentées et contextuelles d'arbitrage. Donc en gros, c'est un petit peu prémâché. À travers les simulations, euh, des arguments pour dire bah voilà cette simulation est plus à privilégier qu'une autre, parce que, et là vous avez tout le laïus analytique euh, de l'IA euh, sur la base, toujours la même histoire, d'input qu'on lui aurait donné, évidemment. Enfin, il faut quand même lui donner une petite orientation. Euh, mais ça aussi, ça peut, euh, ça peut aider à la prise de décision. Et le dernier point, euh, c'est une fois que les décisions sont prises, pourquoi ne pas demander ou de faire en sorte à ce que l'IA automatiquement redescende les, là où les informations qui euh, ont été euh, décidées sur les investissements ou les projets qui vont être impactés, de manière à ce que très rapidement la redescente d'informations euh, soit traduite d'un point de vue opérationnel et que bah, les projets qui doivent être arrêtés s'arrêtent, que les demandes qui euh, doivent se transformer en projets... Euh, se transforme en projet, donc on met en place l'équipe, etc. Euh, que les, euh, euh, comment dire, les alignements budgétaires euh, soient tout de suite redescendus, euh, et ainsi de suite. On a énormément donc de, je pense, de, de, de valeur ajoutée à tirer de l'IA pour ce qui est de redescendre l'information. Je pense qu'aujourd'hui, à l'issue de la partie arbitrage, c'est un petit peu euh, là où on, on perd le plus de temps, la redescendre l'information. Voilà. Donc voilà, parmi les, les, les fantasmes qu'on pourrait attendre de l'exploitation de l'IA, malgré tout, euh, il y a d'autres petits garde-fous qu'il faut essayer de ne de, 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 de pas perdre de vue. Hein. Euh, C'est-à-dire, au-delà de ce, tout ce que j'appelle les fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour apporter l'IA, on a des questions de fond qui restent quand même encore euh, un peu latentes. Euh, la première des questions de fond... C'est l'impact sur les métiers. Alors là, j'ai cité le PMO parce qu'on va dire que l'exploitant euh, majeur d'un portefeuille d'investissement, c'est le PMO dans la plupart des organisations, mais ça pourrait être tout autre, tout autre acteur pardon, euh, qui euh, se sent concerné donc, par euh, l'exploitation de la gestion de portefeuille de projet. Mais du coup, que devient son métier Alors, Évidemment, hein, euh, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Par contre, on va forcément, avec de l'IA, euh, dégager davantage de temps pour lui permettre de faire sans doute autre chose que tout ce que l'IA va prendre en charge demain. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire euh, qu'il ne, qu ne fera plus demain euh, L'autre sujet, c'est ce qu'on évoquait à un moment donné mon IA, elle vient puiser ses informations d'où Dans quelle mesure le puits d'information euh, est de qualité euh, dans quelle mesure ce que je vais alimenter au sein de mon portefeuille provient de données fiables. Donc là, il faut vraiment challenger ces puits de données. Euh, donc, vous allez avoir des puits de données qui peuvent être privés, hein, euh, pourquoi pas. Euh, mais par exemple, si on prend le puits de données privé, il euh, y a peu de chances pour qu'à un moment donné, l'IA aille contextuellement dire, euh, bah attention, euh, on a la guerre en Ukraine, et voilà, ça va avoir des impacts sur vos, sur vos projets à ce niveau-là. Euh, et le dernier point euh, de sensibilisation, c'est la sécurisation de tout ce que va pouvoir produire euh, l'IA. Voilà. Donc, euh, dans quelle mesure ça reste à notre main euh, Ça n'est pas partagé. Euh, Donc, tous ces sujets, hein, on a beaucoup de thématiques sur la cybersécurité euh, bah, ce sont des thématiques qui vont être euh, encore plus à l'ordre du jour avec l'IA. Il voilà. y a un dernier point que j'ai oublié d'évoquer ici c'est l'aspect régalien euh, de, de l'IA. Euh, il y a beaucoup de commissions aujourd'hui qui se créent euh, au sein des différentes institutions, que ce soit européennes, que ce soit euh, françaises aussi. Euh, mais à, à l'échelle mondiale, voilà, chaque, euh, on va dire, chaque organisation, chaque institution euh, crée sa, sa commission de réflexion. Euh, mais à un moment donné, ça va aboutir à du, à du légal. Euh, donc il faut aussi se tenir informé de, de ce qui va être autorisé ou non autorisé au niveau de l'exploitation de l'IA. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans les grandes lignes euh, au niveau donc de cette exploitation de la gestion de portefeuille de projet. Si je devais la résumer, euh, il faut se préparer quand on veut mettre en place une gestion de portefeuille de projet. Et pour se préparer, il faut se poser les bonnes questions. Quel est mon objectif à couvrir Quels usages je veux faire de ma gestion de portefeuille de projet euh, Comment je souhaite le structurer et sur la base de quels indicateurs et de quelles informations euh, et jusqu'à aller à euh, comment au final j'arrive aussi à redescendre les, les décisions qui sont prises pour que opérationnellement euh, le, le, les chefs de projet par exemple hein, soient tout de suite euh, alignées avec la décision ou les décisions qui auront été euh, arbitrées en séance. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça reste un premier pied à l'étrier de la thématique de la gestion de portefeuille de projet. Euh, on est tout à fait disposé à rester à votre écoute si vous souhaitez en savoir plus ou bien euh, discuter d'éventuels accompagnements ou autres. Euh, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez générique. Euh, chaque organisation, chaque structure aura ses particularités avec ses... Ces points sensibles, on va dire, euh, et on est tout à fait euh, réceptif et, euh, et à l'écoute de, de ces sujets-là, et on est prêt à en discuter avec vous avec grand plaisir. Euh, en tout cas, pour ma part, il n'y aura pas de souci. Euh, pour ce qui concerne CoPrime de manière plus générale, nous aurons un prochain webinaire, donc le 19 mars à 14h30, et la thématique sera toujours orientée un petit peu sur l'IA, euh, à savoir comment impliquer l'IA dans la formation. Hein, donc, voilà, quelles, quelles peuvent être en fait les, les attentes euh, au niveau de, des formations. Donc, on est plutôt sur des thématiques RH ou, ou management euh, et IA. Voilà, ce sera présenté, oui, j'ai oublié de le préciser, par Eugène Bill, donc, qui est euh, un de nos experts consultants euh, sur les aspects de transformation managériale et neurosciences, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée à tous et j'espère à bientôt. Merci.